Salut les petites beauties, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente, comme ça peut se voir, j'ai trop le smile de vous retrouver enfin. Ça faisait un petit bout de temps que j'étais absente, presque un mois que j'avais pas publié une vidéo, je pense. Donc là, évidemment, comme vous pouvez le voir dans le titre, c'est sans surprise que je vous retrouve avec un haul de chez Noz. Il est pas très grand, mais bon, il y a quand même pas mal de trucs niveau nourriture, comme d'habitude. Désolée si vous entendez les bruits de circulation, j'ai déménagé dans une maison qui est une rue principale aussi, donc la circulation elle est toujours là, mais je pense qu'on entend quand même moins qu'avant. Donc là je filme dans ce qui ressemble à un salon pour l'instant, enfin j'ai pas encore défini les pièces, alors je vais pas vous faire un room tour de la maison, etc. Je veux faire une pièce maquillage là-bas, mais comme j'ai pas encore mon meuble, je veux un meuble Ikea, vous savez les fameuses coiffeuses blanches là, avec des planches et deux tiroirs, enfin... Mais comme Ikea c'est pas ici, vu que je vis dans le trou du cul du monde pour ne pas... Si je vis dans le trou du cul du monde, y a rien ici. J'ai pas encore le temps de faire ma pièce, make-up, etc. Du coup je peux pas vous filmer voilà, dans un beau décor et tout. Mais bon là c'est très bien, la tapisserie avec des briques ça va le faire. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien et que bah, je vous avais manqué un petit peu parce qu'en tout cas moi oui, franchement oui. Bon, je vais pas faire du blabla pour la reprise, je pense que je vais attaquer directement parce qu'en plus je vais essayer d'aller vite dans le sens où j'ai vraiment plein de trucs à faire. Là je pense que niveau luminosité on est bien hein, parce qu'avec la baie vitrée qu'il y a là, d'ailleurs faut que je fasse encore les carreaux parce qu'il y a des traces. Ça je crois que ça va être chiant, ça va être très chiant même. Allez c'est parti. Du coup chez Noz on va commencer avec ça, j'en ai acheté 5 évidemment, je vous en montre que une pour aller plus vite, hein. Il n'y a que l'emballage, donc ce sont des pizzas au salami, au jambon, au chorizo, je sais pas trop quoi, avec des champignons dessus, un petit peu de gruyère, et ça c'est 1,29€ la pizza de 350 grammes, voilà, de la marque Wagner, ouais, Wagner. Ensuite j'ai pris 2 boissons, donc ça c'était Clément qui avait payé, je vous les rajoute dans ce haul-là, on y avait été en 2 fois, il avait pris des trucs avec sa carte, enfin bref. Avec sa carte bleue, il avait payé ça et moi le reste, enfin bref. Donc une boisson, pareil, il y en a 2 en fait. Hein, donc c'est de la marque 7up, une boisson de 2 litres à 99 centimes. Donc ça c'est citron vert. Donc c'est une boisson en limonade gazeuse. Voilà, je vous le montre en même temps tant qu'à faire. Ça c'est le stock, donc je ne vais pas vous le montrer dans le cabas. Donc ça, j'en ai pris 3, donc j'en manque qu'une évidemment. Du Lipton à la framboise, c'est trop bon, j'avais encore jamais goûté. Donc frais, je pense que c'est encore meilleur. Donc la bouteille, elle fait 1 litre et c'était 99 centimes. Franchement, il est bon. J'ai entendu sonner, je crois que c'est un SMS. Ça doit être Clément, enfin, tant pis. Alors là, j'en montre 3, mais j'en ai acheté 9. C'est pour Clément, je pense. Vous connaissez hein, Clément avec son amour pour les biscuits Milka. Mais je pense que je vais en manger aussi. Donc c'est des petits cookies aux pépites de chocolat Milka. Le paquet fait 135 grammes et c'était 79 centimes. Donc on en a pris 9. Enfin, j'en ai pris 9, c'est moi qui ai payé ça. Ensuite, j'ai pris une bière pour tester de la marque Heineken. Donc elle était à 79 centimes celle-là. Je crois, ouais, l'étiquette est derrière, je vais vous montrer. Voilà, donc j'en ai pris qu'une pour tester. J'ai pris ensuite des tubes pour faire apéro. Ah oui, là avec mon beau petit jardin, ma table en bois dehors, tout ça, il y a de quoi faire des apéros. Pas comme dans l'ancienne maison. Et là, du coup, j'en ai 2 comme ça. Tomates aux herbes, j'en ai repris 2, j'en avais déjà acheté l'autre fois, ça va, ils sont bons. C'est pas les meilleurs, mais je les aime bien. Donc tomates, ça c'était... Ah, il n'y a pas l'étiquette John, mince. Ça devait être 59 centimes le paquet. Et le paquet, il fait 100 grammes, je pense, si je dis pas de conneries. 105 grammes, pour être précise. Et j'en ai pris au fromage. J'en ai pris 2 au fromage. Et cette fois-ci, ils sont à 69 centimes. Ouais, c'était un peu plus cher, je pense. Moi, je regarde sur le ticket. Voilà. Donc, pareil, 105 grammes. J'ai pris ensuite des biscuits, enfin, des oursons lus. On va dire, ouais, une autre marque. À 85 centimes, moins 50% ou 70%, je ne sais plus, parce que c'est dépassé la date. Donc j'ai pris 2 paquets. Ça, Clément, il aime bien. Quand il va sur le trajet, il mange ça avant de s'en aller, quoi, au boulot. J'ai pris ensuite à 5,50€ une lampe LED, qui, donc vous voyez l'ampoule, et il y a une télécommande en fait. Donc ça t'évite d'appuyer sur l'interrupteur quand t'as la flemme le soir. Juste avec la télécommande, elle s'éteint, elle s'allume. Tu peux régler l'intensité, tu sais, faire la lumière tamisée, etc. Et bon, écoutez, je vais voir ce que ça donne. Et ouais, donc 5,50€. Et c'est une économie d'énergie, donc bon, ça fait pas... Ouais, ça consomme quoi, 40 watts, tout ça. Je verrai bien ce que ça donne. J'en avais déjà eu... Ma mère, elle m'en avait acheté une à Action qui fait multicolore, etc. On l'a mis dans la chambre, elle est bien. Et là, pour... je sais pas, faudrait que je le mette dans l'autre pièce. La pièce qui est derrière moi, c'est un truc spécial dressing, que des fringues et tout. Après, je vous montrerai, il faudra que je vois. Parce que là, comme j'avais mis un post sur Instagram, il n'y a pas longtemps, on a emménagé, mais il y a des trucs qui vont pas. Des défauts que tu n'avais pas vu au début, parce que tu n'avais pas bien regardé la maison. Quand tu visites, j'ai pas assez bien fait les choses.
Et aussi, on a eu la mauvaise surprise qu'ils avaient fermé, la femme avait fermé les compteurs. Du coup, après, là, on l'a remis en marche, l'électricité, tout ça. Et il y a plein de trucs qui ne va pas. Et du calcaire partout. Enfin bref, il y a des choses qui sont à refaire au niveau de l'évier, notamment dans la cuisine. J'ai fait ma vaisselle, j'ai fait évacuer l'eau. Tout a dégueulé par terre et tout. J'étais déjà en panique et tout. Franchement, t'achètes une maison à ce prix-là, surtout. Tu t'attends pas à avoir des dégâts comme ça dès le début. Enfin, puis des enfin, il y a plein de trucs qui me dégoûtent. J'ai pas trop envie de parler de ça maintenant. Mais bon, il y a des trucs à refaire. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Je disais quoi avant pour venir sur ce sujet-là. Je sais pas. Je fais beaucoup d'appartements. Bref, j'ai pas changé comme vous pouvez voir. Ensuite, désolé pour le bruit. J'espère vraiment que ça s'entend pas. J'ai acheté ça pareil hein, pour Clément. Donc les Milka, là, les oursons comme ça, là. Avec le cœur coulant au chocolat plus des pépites, c'est ses préférés. Au début, il disait que c'était les formes de vache, ses préférés, mais maintenant, il préfère cela. Il m'énerve. Donc là, pareil, la date, elle est dépassée de quoi? Le 25 août. On est quand même le 14 septembre, mais je m'en fous. Nous, on s'en fout. Hein, pour les trucs, pas de danger. Selon les produits, bien sûr, il faut faire attention. Mais là, c'est un produit quand même. Enfin, ça risque rien, je pense. Mais j'ai vu dans des noses, il y en a qui ont fait un retour de produit pour des oursons au lait, ils avaient moisi. Mais là, c'est au chocolat comme ça. Je pense que ça risque rien, les trucs que j'avais déjà pris. Bref, donc au lieu de 4,99€ la boîte, il y avait 50% dessus ou 34%, je sais plus. Je sais pas trop. Moi, je suis pas dans encore. Je bosse là-bas encore. Je dis encore parce que j'ai bientôt fini mon contrat. Et j'en ferai plus de contrat là-bas, je pense, parce que. Enfin, je vous referai une autre vidéo là-dessus. Je vais changer, plus travailler chez Noz. Et bref, je suis dans le rayon soit bazar, tout ça, ou la caisse. Ou après, je tourne un peu dans le textile, tout ça. Mais l'alimentation, je fais un petit peu, mais je fais pas. Là, la personne qui s'occupe de ce rayon-là, elle est là. Donc, tout ce qui est date, etc., pour vous dire à chaque fois les moins 34, moins 50, moins 70, moins 90, je suis pas calée autant qu'elle là-dessus. Du coup, je sais jamais les remises. Je crois que c'était. Je sais plus. Quand je suis en caisse, après, je sais forcément, parce que quand je fais au client la remise. Qu'est-ce que je perds du temps à la caisse avec ça? Oh, c'est chiant, faut regarder la date du produit, tout c'est chiant. Enfin bref, j'ai pris ça ensuite des sucrètes là, Purvia. Donc ça c'était 99 centimes le paquet. Et j'en ai pris 3-4 je crois, ou même un petit peu plus. Parce que ça, quand je mets dans le café, tout ça j'aime bien. Donc pour l'instant je vous en montre 4, on verra si j'en ai plus. J'ai pris ça, c'est trop bon. À 1,09€ des barres de la marque Nature Valley. Donc le paquet fait 150 grammes, donc vous avez 5 barres à l'intérieur, je galère. La reprise est dure, hein. Moi je m'en sors pas trop mal, ça va. Donc elles sont au chocolat noir, celle-ci, et avec un mélange de noix. Et bon bah c'est tout, c'est mes préférées celles-ci, franchement elles sont trop trop bonnes. Et j'ai pris une autre. Alors, pareil, 1,09€ le paquet de 150 grammes, 5 barres à l'intérieur. Celle-ci, c'est pareil, c'est au non, c'est pas trop pareil, c'est au cacahuète grillé, pas un mélange de noix. Donc c'est vraiment cacahuète grillé cette fois-ci, avec du beurre de cacahuète avec une pointe de sel. Et au début, j'avais goûté celle-ci, je les aimais beaucoup. Mais quand j'ai goûté celle au chocolat, au final, je préfère celle au chocolat. Voilà. Ensuite, j'ai racheté une brosse, mais c'est juste parce qu'elle passait à moins 50%, ça m'a tenté du coup. Mais elle est toute basique. Moi j'en ai jeté une il n'y a pas longtemps en rose et bleu, là, dégradée, elle était belle, c'était la même en plus. La même forme, etc. Donc là j'ai repris en toute noire, basique. Donc au lieu de 1,49€, c'était 75 centimes la brosse et je les trouve bien celle-ci. J'ai pris ensuite ça. Je savais pas trop me décider sur la couleur. Je sais que ma petite Marie, ma petite soeur, elle kiffe l'orange. Du coup j'ai pris l'orange. Mais après j'ai trouvé celle-ci aussi sympa. Du coup j'ai pris une de chaque. C'était 60 centimes et c'est des petites pinces pour attraper, enfin pour touiller, enfin une pince à salade, tu sais, pour attraper la salade, comme le dessin. Mais après, tu peux prendre ce que tu veux, hein, je sais pas, enfin, ça peut servir à autre chose aussi. Alors j'en ai pris 3 et c'était 60 centimes la petite pince. Clément a voulu ça, donc je lui dis, on en prend un paquet, on verra bien ce que ça donne. Donc ça, c'est de la marque DR, donc docteur. Non, ça m'étonnerait, docteur. DR. Ouais, je suis fatiguée. Hein. DR Gérard. Ça, j'avais déjà pris les genres de pins à la cerise, si vous vous rappelez, que Clément m'avait piqué alors que c'était pas pour lui et qu'il avait tout mangé en secret. Hein. Et donc, cette marque-là, ouais, je connais. Et bref, là, cette fois-ci, c'est des étuis, des cigarettes, comme on dit, je sais pas quoi, des bâtonnets, des Rolls-Royce. Des Rolls-Royce, n'importe quoi, des voitures. Des Rolls-Royce. Non, Rolls-Royce. Des gaufres à la crème d'arachide. Voilà, merci la traduction. Donc c'était 50 centimes le petit paquet de 112 grammes. Et Clément voulait ça. Du coup, ben moi je pense que ce serait déjà bien si j'arrive à en avoir une dans le paquet. J'espère que tu m'en laisseras une. Ça a l'air bon, je sais pas. Bon, je lui ai pris ça.
Mais t'es content. Là, à 90%, je m'en rappelle parce que j'étais saisie. J'ai eu pris ça, deux paquets de céréales. Alors, c'est sérieux. Voilà. Alors, ce sont des céréales déjà fabriquées en France, sans huile de palme. Le paquet fait 375 grammes. De base, c'était 1,49€, je crois, le paquet. Ou 2, je sais pas. Ça m'est revenu à 28 centimes. C'est pour ça que là, je m'en rappelle, c'était du moins 90%. Donc, c'est des céréales enrobées de chocolat. De chocolat, c'est écrit coque au cacao. Ouais. Et à l'intérieur, c'est du fourrage au lait. Donc, je verrai bien ce que ça donne. Je pense que c'est bon, hein, parce que c'est un truc artisanal, tout ça, je verrai bien. J'espère. Bon, après, pour le prix, ça va au pire. Ça va. Donc, j'ai pris deux paquets. J'ai pris à 2,11€ des nanas, des vanilla plutôt. Et ça, il y en a 20 à l'intérieur, c'est les spéciales nuit. C'est chiant, les petites filles, d'avoir les règles. Ça coûte cher. Il y avait des cups aussi, mais j'ai pas. Je voulais en acheter, mais j'ai pas. Peut-être la prochaine fois, s'il y en a. Il y avait plusieurs tailles et je verrai bien. Les cups à nos. Ça faisait pas cher, mais je verrai bien. Alors ensuite j'ai pris de la boisson comme ceci, j'en ai pris deux. Donc c'est de la limonade, donc c'est gazeux hein, comme boisson forcément. Pourquoi je vous précise ça, vous êtes pas bête. Je sais pas. Donc ça c'était 69 centimes, la boisson elle fait 375 ml et celle-ci c'est au pamplemousse. Non. Si, pamplemousse et orange sanguine. Non, pamplemousse. Bon, on va lire l'étiquette jaune. Boisson gazeuse rafraîchissante au pamplemousse, voilà. Mais je pensais que c'était... Il n'y en avait pas l'orange sanguine. Ah, si. Ah, c'est pas la même. Moi, je pensais avoir pris deux oranges sanguines. Pamplemousse, je crois que je vais pas aimer. Merde. Bon, pire, on la buvra quand même, avec Clément. Donc celle-ci, pamplemousse, j'avais pas vu qu'il y avait cette sorte-là aussi. Celle-ci, c'est orange sanguine. Orange sanguine, j'aime bien, donc ça va aller. Et j'en ai pris deux, c'est les mêmes, j'espère, aux fruits de la passion. Donc pareil, hein, 69 centimes, les 375 ml. C'est de la marque Bundaberg. Ouais, l'anglais, hein, malheureusement. Donc c'est une marque australienne, je sais pas, c'est écrit Australian Family Owen. Bon ouais, voilà, je vous laisse un petit peu jeter un coup d'œil. Bon au final j'ai pris toutes les sortes qu'il y avait. Je pensais qu'il y avait trois sortes, mais non, il y en a quatre avec pamplemousse. Comme c'est la même couleur, je me suis fait avoir. Et j'ai pris celle-ci, j'en ai pris qu'une par contre. Parce que je me suis dit c'est un truc un peu plus classique vu, revu. Enfin, c'est citron, citron vert. Pareil, hein, 69 centimes la canette. Et la capsule elle a l'air un peu spéciale à ouvrir. Enfin... Ensuite, il y a encore, bah dis donc. J'en ai pris pas mal. Hein. Ça, j'en ai pris un deuxième. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment de la bouffe. Hein. Et pour terminer, c'était un petit haul hein, pour une petite reprise parce que j'ai encore quelques sacs de bordel à ranger. Du coup, j'allais pas en fourguer encore, hein, même si ça fait déjà du bordel. Mais je vais aller vite pour ranger ça, ça va. Il faudra que je vous fasse un haul action parce que j'ai plein de trucs à racheter forcément qui n'allaient pas ici. Enfin... Par exemple, dans ma salle de bain, les plus petites, j'ai plus la place pour mon grand panier large. Il va falloir que j'achète des paniers à large en hauteur, vous voyez. Plus fin, mais en hauteur que ceux que j'avais comme ça à large. Oh, puis merde. J'ai acheté pour finir ça des lingettes démaquillantes. J'ai pris deux paquets. Alors, il y a celui-là, donc avec le packaging bleu. C'est pour les peaux normales à mixte, ce qui est mon cas. Et c'était à 80 les deux paquets. Donc, ça faisait pas cher. Il y a 25 lingettes dans un paquet. C'est de la marque Ayan. Je crois que j'avais déjà testé. Donc, c'est des lingettes démaquillantes qui sont à la fois rafraîchissantes. Elles sont à la provitamine B5 et aux extraits de fleurs d'amande, si je traduis bien. Bon, je trouvais que ça faisait pas cher. À l'unité, c'était 99 centimes. Et le 2 à 80, je préférais prendre par deux. Je l'avais déjà testé, elles sont bien, j'ai pas eu de réaction ni quoi que ce soit. Et elles démaquillent plutôt bien. La lingette, elle est bien imprégnée de produits, donc ça va. Et j'ai pris celle-ci, pareil, à 80. 2 fois 25 lingettes. Et par contre, celles-ci, elles sont démaquillantes ultra douces, mais ça a l'aloe vera, la provitamine B5, et c'est pour les peaux sèches et sensibles. J'ai pas forcément la peau sensible, mais c'est vrai que des fois, là, sèche. Donc j'ai pris quand même. Après, bon bah voilà. C'est tout pour mes achats. Dites-moi dans les commentaires si mon retour sur YouTube vous plaît ou pas. J'espère ne pas me prendre déjà des réflexions dès le premier jour, ce serait un peu bête quand même. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, je vous répondrai. Je suis désolée que j'ai vraiment du retard là pour la dernière vidéo, j'ai pas encore répondu à tout le monde. J'ai dû commencer à répondre à 5-6 personnes seulement, j'ai encore 80 commentaires à lire. Je suis désolée, je suis en retard. J'espère que sinon vous allez bien, que tout va bien pour vous.